Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes corazons. J'espère que vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez l'harmonie, vous avez la santé. Vous avez tout ce que vous voulez parce que c'est le plus important. Je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour partager avec vous pour vous présenter certains vêtements que j'ai reçus de la compagnie Rose Girl. En fait, ça fait 2 mois que j'ai leur vêtement et comme vous connaissez ma situation, ce n'était pas facile pour moi de faire cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai profité vite fait, comme mes chinois ne sont pas là, de faire rapidement cette vidéo. En fait, ce sont des vêtements qui sont mélangés entre les vêtements de froid et les vêtements d'été. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer pour que je ne passe pas le temps à papoter. Alors, le premier vêtement, c'est ce jumpsuit militaire. Je l'ai prise de la taille X-large. C'est vrai que ça me sert un peu, mais ce n'est pas vraiment mon style. Le tissu est élastique, mais si je dois le porter, je pense que je vais le porter avec un truc au-dessus parce que je n'ai pas encore les formes adéquates pour porter ce genre de vêtements. Le suivant, c'est ce pantalon-ci qui est du faux cuir. J'ai aussi pris de la taille X-large. Il est élastique déjà et il est très souple en fait. J'ai pris cette blouse-là aussi qui est élastique. C'est du polyester si je ne me trompe pas. Je l'ai prise de la taille large et puis ça me va très bien. Le suivant, c'est ce pantalon noir que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pantalon parce que déjà, il est taille haute et puis il est élastique. Donc, je me sens décontractée, je me sens tranquille, je me sens, comment je vais dire, j'ai pas l'impression d'avoir porté un truc serré. J'ai pris de la taille X-large et il me va super bien. La suivante, c'est cette robette-là aussi que j'ai beaucoup aimée. Comme vous constatez, je suis en train de danser. C'est une robette qu'on peut porter pendant l'été, le soleil dehors. J'aime beaucoup ce genre de robette parce que déjà, c'est élastique et puis voilà, c'est décontracté. Vous le mettez avec une petite babouche. Je l'ai prise de la taille X-large. Suivant, c'est ce pantalon-là aussi. J'aime bien ce genre de pantalon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ce genre de pantalon. J'ai aussi pris de la taille X-large. C'est un pantalon qui est fait à base, je pense que c'est aussi du polyester parce que la majorité des vêtements que j'ai pris sont faits du polyester. Il est élastique, comme vous constatez. Il est, je l'adore. J'adore ce genre de pantalon, c'est en fait. La suivante, c'est cette robette-là, qui n'est pas aussi très mal. Le seul problème est qu'il me sert un peu au niveau des bras, mais c'est pas grave. Avec le temps, ça sera beaucoup mieux. J'aime beaucoup ce genre de vêtements pour, voilà, des petites sorties, des petites balades, etc. Et il a la dentelle comme ça au niveau de la poitrine. Le tissu n'est pas vraiment très original, mais bon, ça va quand même, ça va. Le suivant, c'est cette robe, cette longue robe là que j'ai pris. Le tissu est du coton. Je l'ai prise de la taille X-large. Après, j'ai pris cette jupe jean que j'aime beaucoup. J'avais besoin d'une jupe jean comme ça. La première des choses que j'ai remarqué sur cette jupe d'abord, c'est que c'est élastique. C'est une jupe qui est élastique. Et deuxièmement, le tissu est vraiment très bon au toucher, très beau au toucher. Je ne l'ai pas encore lavé pour savoir si ça se délave ou pas. J'ai beaucoup aimé la qualité du tissu déjà et je l'ai prise de la taille X-large. Après, j'ai pris cette jaquette-là. Le seul problème avec cette jaquette, c'est que la jaquette, elle ne se ferme pas parce que j'ai l'impression qu'elle est petite. Je l'ai prise de la taille X-large. Comme vous savez que les tailles des Chinois sont vraiment parfois différentes de nos tailles. Donc, les personnes qui ont ma corpulence, je vous conseillerais de prendre 2 X-large. C'est une jaquette qui est élastique, mais prenez une taille plus grande. Après, j'ai pris cette jupe-là qui est aussi élastique, mais... le seul problème, c'est qu'il me sert un tout petit peu au niveau du ventre, mais je sais qu'après avoir fait mes abdos très bien fait, tous ces boules-là vont passer et la jupe m'ira très bien. Le suivant, c'est cette jaquette-là aussi, jean que j'ai pris. Comme vous constatez aussi, il est petit, pourtant j'ai pris la taille X-large. Je vous ai dit, des vêtements des Chinois, il faut prendre de la taille beaucoup plus grande que votre taille normale. C'est aussi une jaquette qui est élastique, mais c'est petit. Après, j'ai pris cette jupe. Je trouve ça trop bruyant. C'est pas mon truc. Je sais pas si je pourrais la porter peut-être pour
des soirées discothèques, je sais pas. Mais bon, ça va. Je vais le garder. On ne sait jamais, il y aura une occasion. Devant, ça s'ouvre comme ça. Et ça peut se fermer. Donc, c'est le devant qui s'ouvre et se ferme, pas le derrière. Le suivant, c'est aussi cette jaquette-là que j'ai pris, qui est mélangée du faux cuir avec un tissu, je sais pas, du pandès, je sais pas trop le tissu. Mais c'est une jaquette que j'adore. Je l'ai prise de la taille X-Large. Celle-là, au moins, ça me va. J'aime beaucoup. Vous pouvez la fermer comme ça, l'ouvrir, c'est tranquille. J'ai beaucoup adoré cette jaquette-là, en tout cas. Maintenant, nous allons passer aux chaussures. Ces chaussures, je ne veux pas vous mentir, mes corazons. Non. Je n'ai pas été satisfaite de ces chaussures. En fait, la chaussure, lorsque vous la voyez à l'œil nu, elle allait être très belle. Mais elle a été très mal fabriquée. Elle a été très mal cousue. Vous allez remarquer qu'à ce niveau-là, j'ai pris la taille 40. J'ai juste la taille 38, 39. Mais le 40 ne me va pas. C'est petit. Ça entre. Mais j'ai l'impression d'avoir prêté la chaussure de quelqu'un. Et à ce niveau-ci, il y a ma fille Kenzie qui a porté ça une ou deux fois pour s'amuser un tout petit peu. Et là, ça s'est carrément décollé là. Pourtant, l'enfant a porté juste un truc de 2 minutes où elle voulait avoir fait la mannequin et tout. Mais la chaussure, elle n'est pas vraiment bien cousue. Regardez. Donc, ça se voit que ça ne va pas mettre long. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Bref, je n'ai pas apprécié la chaussure. J'ai aimé la qualité de la chaussure, mais je n'ai pas apprécié la façon dont la chaussure a été faite. Après, j'ai aussi pris celle-ci. Je n'ai pas trouvé des défauts. Ça va. Voilà, elle me suffit. J'ai pris la T40 et puis ça entre. Il n'y a pas de problème. Dans mes corazons, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais mettre les liens de tous ces articles-là sur la barre d'infos. Mais avant cela, je vais vous présenter des vêtements que j'ai aussi reçus qui ne m'ont pas du tout suffi. Ce sont des très beaux vêtements. C'est même pas beaucoup. Je pense que c'est 3 vêtements ou 4 vêtements. Je ne me rappelle pas bien, je crois, qui ne m'ont pas suffi. Je vais devoir les garder pour les redonner à quelqu'un. Je verrai bien. Mais je vais mettre ces vêtements-là sur la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Sincèrement, il y a des articles là que moi-même je me suis dit, est-ce que je dormais avant de prendre ça? Par exemple, ce jean suisse là, je vous montre pas qu'il y a, c'est pas pour sortir. Ça, c'est pour, je pourrais même pas sortir avec ça, c'est pour rester à la maison ou tout simplement faire des vidéos comme ça à moitié parce que vous ne voyez pas comment le bas est catastrophique. Nous avons cette robe là qui ne m'a pas suffi. Elle est de la taille, j'ai pris la taille large, mais heureusement elle ne m'a pas suffi. Alors voilà, le tissu n'est pas mal. Donc si vous avez besoin, c'est une petite robe d'été et tout. Je ne vais pas la sortir du sachet parce que je vais vous la montrer là sur les photos. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas suffi. J'ai pris la taille large, pourtant il y a des autres vêtements que j'ai pris qui sont de la taille large qui m'ont suffi, mais celle-là non. Et ce pantalon là aussi, qui ne m'a pas aussi suffi, je vais pas le sortir du sachet parce que après le plier encore, le replier, le remettre dans le sachet, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà comment le pantalon il vient. Il est élastique, mais malheureusement il n'est pas si élastique que ça, donc il m'a pas suffi. Pourtant j'ai pris la taille X-Large. Le tissu, comme j'ai dit, il est élastique, on ne va pas détailler le tissu. Vous savez que je ne suis pas spécialiste dans ça. Donc voilà, il m'a pas aussi suffi ce pantalon-là. Je vais le garder comme ça dans le sachet. Mettre dans le closet. Et nous avons ce qui m'a énervé. C'est sûrement ça m'a énervé parce que j'aurais voulu que ça me suffise. Ce jean suisse-là, malgré que j'ai le ventre comme le conteneur, le ventre comme ça en ce moment. Mais j'aurais voulu que ça me suffise parce que c'est trop beau. Ce jean suisse-là. Regardez, vous voyez, il est très beau. Sincèrement, lorsque vous le voyez sur la photo, il n'a pas l'air si beau. Mais après que vous l'avez entre vos mains, il est très beau. Le tissu est comme du coton, c'est vraiment très beau. J'ai vraiment aimé ça. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris la taille large. Où est-ce que j'étais? J'étais où à mort? J'étais où? Pourquoi tu as pris la taille large alors que tu sais que en ce moment tu as 2 tailles, X-Large et large? Tu as la chance que X-Large te suffit mieux que parfois le large. Pourquoi tu as pris le large? Même le jeune suisse, je suis pris le large.
C'est pas grave, je vais regarder. Et voilà, c'était tout mes collations, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi juste un pouce en l'air comme ça, sur les likes là. C'est gratuit mes collations. Ça me fera énormément plaisir. Si c'est la première fois que vous passez par là, abonnez-vous tout simplement. On se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très vite. Bisous. Bye.